Yo les choux, hello, comment ça va les gars? Hey YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi, j'ai grave la flemme aujourd'hui, mais les choux vont me motiver et on va faire une décoration de fou malade, alors j'espère que vous êtes abonnés, j'espère que vous allez commenter, j'espère que vous allez liker cette vidéo, j'espère que vous allez déchirer sa race, ok? Parce que c'est du boulot tout ça de monter 5 à 7 vidéos par semaine, ok? N'oubliez pas de répondre à la question du jour qui est une question de Lily Chou dans le chat. Quel est votre film préféré? Mettez-moi ça en commentaire. Et moi, je répondrai un classique, je dirai tous les Harry Potter, tout simplement. Et nous, on y va, c'est parti, let's go! C'était une intro de la flemme, mais c'est pas grave, let's go! Nous sommes sur Mango Beach, hier nous avons fait la laverie qui est juste à droite ici. J'ai modifié ici, j'ai avancé un petit peu, regardez-moi ça, j'ai refait le motif en fait que j'avais trouvé. J'ai galéré à le refaire exactement pareil. Parce qu'il n'y avait pas de ligne comme ça pour faire des parkings. Et donc, j'ai refait pour pouvoir faire un parking. Donc, j'ai rajouté un parking derrière Méli-Mélo ici. Et j'ai rajouté un autre parking à l'entrée juste ici. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Let's go. Kalash, Kalash. Ça y est, on est parti. Ok, on a Kat. J'ai oublié son nom à lui. Il est rigolo. On a Punk. On a Octavio. Oh là 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 là. Oh là là, l'angoisse. Eh, Viviane, mais d'où elle se balade comme ça? Mais Viviane, tu marches? Incroyable. Viviane, tu t'assois? Incroyable. Oh là 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 là. Je suis choquée. Bah, Viviane, regarde au moins. Il n'y a aucune réaction. Ok, d'accord, sympa, Viviane. Je te retiens, Viviane. Ça marche. Ok. Tu la joues comme ça? Ça marche, Viviane. Ok. Connasse, va. Ok, j'achète ça parce que ça, dans Kimchi, ça va être beau. Ça va être trop bien dans ma chambre. La machine à bulles, je prends. Ok, je vais tout prendre. Donc, on va bosser. Et regardez, j'ai débloqué normalement le truc que je me demandais pourquoi j'avais pas. Mais en fait, je l'avais pas débloqué. Hall d'exposition disponible. Utilise plus pour y accéder. Tu peux y consulter les créations des autres utilisateurs et partager les tiennes en ligne. Eh bah, regardez-moi tout ce que j'ai fait. Bon, les trucs que j'ai pas montrés, c'est que j'en suis pas fière. Mais ils sont là. C'est-à-dire la villa des WC et l'aventure à la maison de Electro. Sinon, y a tout ce qu'on a fait depuis le début. Hein. Bienvenue dans le hall d'exposition. Tu peux ici consulter les créations des autres joueurs et partager ton propre catalogue de créations. Allez, suivre des créateurs. Tu peux suivre les créateurs que tu apprécies pour que leurs photos apparaissent dans ton fil d'actualité. Et hé, on a Instagram sur Animal Crossing ou quoi? Appuie sur moi pour consulter ton profil. Tu peux ensuite choisir de partager publiquement ton catalogue. Oh là là, mais je vais me faire spoil moi là. Ça va pas ou quoi? Je suis en train de me faire spoil le manoir hanté, purée. Oh, incroyable. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. C'est stylé, dis donc. Je suis sur Mango Beach et je vais mettre turquoise en rapport avec Alix. À lire avant de publier une propriété. Les propriétés que tu publies peuvent être vues et visitées par des joueurs du monde entier depuis le hall d'exposition. Je vais devenir une star de cinéma. Une fois une propriété publiée, ton nom de joueur ainsi que les motifs perso utilisés pour modifier cette propriété seront visibles par tous les joueurs, bien évidemment, bien sûr. J'ai même pas encore pris mon code à moi qu'il est déjà dans le chat, quoi. Let's go poster, choisis ta propriété à publier. Je vais publier Alix, because Alix, you know, plein pied, automne. Ta création a été publiée sur ton profil, veux-tu la partager sur les réseaux sociaux? Donc on peut en mettre 10 maximum, c'est ça? C'est dommage, moi je voulais toutes les publier. Alors, Monica! Go prendre Monica alors. On veut contacter Monica, oui. Ouh, attention, la belle Monica va arriver. Bonjour, ici la méga star Monica, sans blague. Il y avait un petit cœur en plus. Les divas de loup, c'est pas une agence de mannequins ça? Tu veux me recruter comme égérie, c'est ça? Oh, pardon, les villas de loups. Ah, et donc quoi? Hein? Si je veux une maison de vacances, quelle quiche dirait non? Je signe tout de suite. Tu m'étonnes. Pour mon havre de vacances, j'imaginais quelque chose dans le genre. Ambiance DJ! Trop bien. Oh, j'aime beaucoup. Ambiance DJ pour Monica, j'aurais jamais cru. Hein. C'est très réussi ce concept, super. Ambiance DJ. Ici. C'est parti pour faire une ambiance de DJ. Let's go! Alors, allez, une enceinte. Allez! Oh! C'est parti pour la fiesta. Qui dit DJ, normalement, dit grande salle. Trop bien. En plus, on a une petite ambiance, là. Pa, 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 pa. Je veux cette musique. Elle est trop bien, cette musique de Kéké. Je la veux. Je l'aime trop. Ciao, bubblegum. Oh là là. Oh, oh là 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 là. Là là là, c'est trop joli. Oh là là, oh là, mais incroyable. Mais vas-y, mais c'est trop beau. Mais oh là là, Monica. Mais Charlotte, t'as trop bien fait de me dire Monica. J'aime trop. On va faire un bar, évidemment. Évidemment, de chez évidemment. J'aime trop cette chanson.
Nouvelle chanson préf, franchement. Je veux cette chanson chez moi. J'en ai marre là, de bubblegum. Mi-pop-pop-pop-pop. 2008, va. Bah. Là, on est sur des basses et tout, là, un petit peu, là. Je suis en train de faire un thème incroyable. Qu'est-ce que je vais mettre en bas? Alors. Allez. C'est chiant qu'on voit pas les meubles, parce que du coup, quand on met au-dessus, bah, c'est con qu'on voit pas le meuble pour savoir jusqu'où on peut mettre les trucs, quoi. On est difficile, oui, oui, oui. Est-ce que je vais faire l'extérieur ou pas? Je sais pas. Je suis en train de prendre les trucs au cas où. Oh là là là, lilalou! Incroyable. Oh là, oh là là là. Oh non mais what? Mais incroyable, s'il vous plaît. T'es tellement à fond dans cette déco, ça se voit que tu es inspirée. Merci Marjo, c'est vrai, grave, grave. Et puis l'ambiance, du coup, j'aime beaucoup. C'est cool parce que ça ressemble un petit peu à ce que j'aimerais bien faire dans GTA Vice Kimchi. J'aurais bien voulu qu'il y ait un bar comme ça. Mais là, t'as accès à tout, quoi. Alors que je vais galérer pour mon île. Mais là, j'aurais trop voulu qu'il y ait un truc comme ça dans mon île. On met les stars, la star Alix ce soir sur le dance floor. Avec la star Monica. C'est trop beau, j'aime trop. Ça donne trop bien, en vrai. Non, je vais mettre bain de vapeur. Je suis là pour le service. Qu'est-ce que je vais mettre sur le bar? Il me manque un truc sur le bar. J'aurais peut-être remettre des boissons, en vrai. Les trois bouteilles, peut-être. Aux trois bouteilles. Ça fait très bar. Oh, une bouteille flashy pour les girls. C'est la soirée mousse des filles ce soir. Oui, on a le champagne pour les filles offert. Les boissons pour les choux. Il y a un vinyle. Allez. Ah ouais, ça reflète beaucoup mieux. J'aime trop. Je suis trop trop fan. Oh, il n'y a pas assez de trucs à mettre au mur là. Ah si, peut-être des chansons de Kéké. Celle-là, celle-là. Bon, je vais aller faire l'extérieur un peu. Ça ne va pas du tout l'ambiance dehors. Hein. On est d'accord. On va changer ça tout de suite. On va mettre la night évidemment. Et là, je vais mettre été, ouais, c'est bon, été, c'est bon. Hop, on va changer la maison. La maison en boîte de nuit, faut que ce soit gros, hein. On voit un énorme truc, hein. Faudrait un bâtiment, il manque des trucs un peu nouveaux, là, un peu modernes. C'est quelle couleur une boîte de nuit? Une porte blindée. Je suis pas sûre de laisser ça, on va voir. À l'extérieur, je sais pas quoi mettre en vrai. Palmier, déjà. Ça, en vrai... Ça le fait grave. Il manquerait plus qu'un videur. Purée, mais tellement. On met qui en videur? En sol, on va mettre un sol... Ah ah, est-ce qu'on met un vrai sol? Un sol terracotta? En vrai, c'est pas simple, hein. Une boîte de nuit au soleil, c'est pas très simple comme thème. Ah, des spots de sol. J'ai pas mis de spots de sol, tiens. Allez! Et je veux mettre eux, évidemment. Bon, la maison, on va la changer, elle va pas dans le thème. Ils auraient dû faire des trucs un peu villes et tout pour changer, en plus. Mais bon, ce serait pas les villas de loups, sinon. Y'a pas un parasol? L'intérieur, je l'aime bien. Je dis franchement, il grave bien. Mais l'extérieur, je pourrais mieux faire. Mais je ne sais pas. Il me faudrait une petite table, mais j'en trouve plus. Attendez, je vais essayer de mettre ça. Voir si c'est pas mieux. Est-ce que c'est mieux celui en osier ou est-ce que c'est mieux le fauteuil marocain? Oh, attendez! On va peut-être mettre un bar avec ces petits tabourets là, très mignons, dans le thème des couleurs en plus. Et je sais que j'ai le bar là, que j'ai mis à l'intérieur, donc je pense qu'il irait. Hop, là c'est pas mal. Et je mets des cocktails à chacun, parce que t'as la Rosta Monica qui va arriver, mais avant l'arrivée de Monica, la DJ star, il y a le petit DJ qui fait la première partie évidemment. Je l'ai pas mis la lampe cube. Je sais que je veux la mettre, mais je sais pas où. En vrai, j'ai envie de mettre la maison de Monica. Elle déchire la maison de Monica, en vrai. En vrai, là, ça tue, hein. C'est pas mal, hein. Oh là 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 là. Incroyable. Oh là 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 là.
C'est incroyable. Cool, j'en pouvais trop plus d'attendre, trottine. T'as passé tout ce temps ici juste pour moi, trop la joie, super. Ouah, elle est contente. Attention. Waouh. Waouh. Elle est trop mignonne. Tu m'as trop grave aidée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va te mettre, Monica? Oh là là, Monica dans mon café, elle sera incroyable. Tout lui va, elle est incroyable. Ok, il me faut des amis beaux de ouf. On met qui dans la soirée avec Monica? Marlou, allez. En vrai, j'ai envie de mettre Terra, parce que Terra, je trouve que bah, elle brille. J'aime trop. Ah, ils sont trop mignons. Elle brille dans le noir en plus, elle. Ta mère. Allez, dans un lieu comme ça, normalement, on en met plein. On va lui mettre blanc. Terra, t'es pas mal en vrai comme ça. Toi, il te faudrait un haut un peu plus flash. Octoborg en mode détente. Tout lui va à lui aussi. Hein. Attends. Mais vas-y, tu caches Alix. Mais comme vous êtes là. Est-ce qu'ils peuvent danser? Est-ce que vous savez si on peut faire des mimiques au personnage? Ils dansent! Ah bah merci, enfin Alix. Non mais Octoborg, mais quel boulet. Ah, elle est trop mignonne. T'as mis Octoborg, t'es vraiment... Regardez-les, là, en train de faire la fête de dos, là. Mais qui sont cons? Bah alors, mon con, là. C'est pas par là qu'on fait la fête, là. Pignouf, là. Vous êtes les DJ. Qui sont cons? On a fini. Allez. Et voilà YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces décos vous auront plu. En tout cas, moi, ça m'a grave inspiré. Et le chat aussi. Donc, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, évidemment. Mettez un like. Ce serait super cool. Et ça aide grave la chaîne. Donc, go mettre un like, s'il vous plaît, si vous avez kiffé. Et du coup, mettez-moi en commentaire une note sur 10 sur la déco de Monica. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.